What's going on guys et bienvenue pour Resident Evil Dead Aim qui est sorti sur PS2 en juillet 2003 et c'est un mauvais Resident Evil. Alors le vrai nom de ce Resident Evil c'est Gun Survivor 4 Biohazard Heroes Never Die, donc ça fait partie en fait de la trame des Gun Survivor. Donc les Gun Survivor c'est des Resident Evil à la première personne la plupart du temps, mais lui en fait le quatrième est pas vraiment bon. Et je vais le montrer pourquoi. Alors on va faire un petit tour dans les options, mais il n'y a rien vraiment de très spécial. Par contre, il y a le Gun Con. Alors pour le Gun Con, si vous vous rappelez pas, c'était le pistolet en fait que vous pouviez utiliser. Je crois qu'à la base, il était sur PlayStation 1, mais vous pouviez l'utiliser après sur PlayStation 2. Après, ça dépendait bien sûr des jeux. Je crois qu'à la base, il était sorti pour Time Crisis ou un truc comme ça, je crois bien. Un jeu peut-être qu'on va ressortir au cas où. Mais voilà, vous pouviez l'utiliser sur Resident Evil Dead Aim. Et quoi dire? Alors en gros, comme j'ai dit, c'est pas la trame principale des Resident Evil, c'est l'univers de Resident Evil, évidemment. Ça se passe quelques années, je crois, après Raccoon City, donc après le 3. Mais c'est voilà, ça fait partie des Gun Survivor, et je dois dire que c'est pas des bons, parce que les Gun Survivor, même à l'époque, même sur PlayStation 1, étaient pas aussi mauvais que ça, et on va faire le 1, 2 et 3, parce que je crois que les deux premiers ça se passe dans Raccoon City, et le troisième c'est par rapport à Code Veronica qui était un très bon Resident Evil, donc on va les faire, mais celui-là, je crois que c'est la preuve, hein, c'est pour ça qu'il a changé de nom pour toute la planète sauf le Japon il s'appelait Gun Survivor 4, mais pour nous il a changé de nom parce que je crois que c'est plutôt une sorte d'échec. Vous allez voir que les personnages sont pas intéressants. On est un agent américain vraiment bidon et on va rencontrer un agent chinois, une femme, et en gros on va faire équipe. Et là en gros l'histoire c'est qu'il y a un paquebot, enfin une sorte de yacht plutôt, qui appartient à Umbrella et quelqu'un a voulu récupérer des échantillons du virus T. Et puis voilà, on est envoyé là-bas. Franchement, l'histoire elle est conne, les personnages sont cons, parce que ça, franchement c'est drôle à regarder, ça va être horrible à jouer, mais ça c'est moi qui m'en occupe, donc vous ça va. Mais vous allez voir, c'est des gros clichés, les personnages. Donc voilà, c'est un peu du Resident Evil 5 et 6 en fait, au final, c'est ça qui est drôle. Allez, on va lancer le jeu en normal. C'est parti pour une heure d'enfer. Alors, comme d'habitude, on a la version NTSC ou NTCS, à chaque fois je fais cette erreur, version américaine pour les 60 Hz. Je vais parler par-dessus la cinématique parce que la cinématique c'est de la merde et franchement c'est pas vraiment intéressant. Donc en gros, comme j'ai dit, ça se passe quelques années après les événements de Raccoon City avec le virus T qui a été libéré. Rien que la voix du mec. On dirait... Rien que la voix, elle est horrible. Oh putain. En tout cas, édité par Capcom, évidemment, et développé par Capcom Production Studio 3. Donc je crois que Capcom Production Studio 3 fait partie des plus petits studios qui s'occupaient des Resident Evil qui étaient en fait à côté de la trame principale des Resident Evil. Genre ils travaillaient pas sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils travaillaient sur les autres, genre les Gun Survivor. Donc ça c'est notre héros, donc voilà, dès le début du jeu il s'est fait attraper comme un débile, donc ça montre que le mec est super qualifié pour faire cette mission. Ah mon dieu, putain je vais souffrir. Et ça c'est Morpheus, alors déjà nom bien cliché, avec un look bien cliché, genre manteau 3 quarts, long, noir, cheveux longs, platine, voilà, le mec se prend complètement pour Zephyroth, complètement. Quoi dire d'autre? Je sais pas, non franchement c'est pas un bon jeu. Et le jeu est passable, parce qu'il faut pas être méchant, mais le jeu est passable, mais c'est pas un bon Resident Evil. Mais bon, on commence à avoir l'habitude avec ça.
Les graphismes étaient pas méga bien non plus. Ah, le gameplay est embêtant, donc comme j'ai dit, on peut jouer avec le flingue, mais on peut jouer complètement aussi à la manette. C'est ça qui est bien dans un sens, c'est que vous étiez pas pénalisé si vous aviez pas le flingue. Moi personnellement, je crois pas que je l'avais. Je crois que je l'ai eu plus tard pour la PS2, pour Time Crisis 2 ou 3 ou un truc comme ça. Mais quand j'ai joué à ça, je l'avais pas. Bon, les cinématiques, ça va, les cinématiques comme ça, là, ça va, mais après les graphismes, c'est pas trop ça, quoi. Voilà, donc ça, c'est notre personnage. Donc, on se déplace comme ça, voilà. Donc, déjà, je sais même pas s'il y a demi-tour. Non, il n'y a pas de demi-tour. Putain, il n'y a pas de demi-tour. Voilà, donc là, c'est très lent pour se déplacer, pour tourner la caméra. Et après, si on veut, on peut se mettre en mode en joue, donc comme ça. Et là, on se. Bah, je sais pas, en fait, on marche. Je sais pas vraiment à quoi ça sert, parce qu'on peut pas tirer. Pour tirer, il faut passer comme ça, en mode tir. Mais quand vous êtes en mode tir, vous pouvez plus avancer. Parce que si j'avance, ça m'enlève du mode tir. Donc quand je suis en mode tir, après j'utilise par exemple le joystick 3 pour descendre, monter, le curseur, tourner, tout ça. Et c'est comme ça qu'on tire. Voilà. Comment on recharge? Ben, j'en sais strictement rien. Ah bah ben, voilà, c'est R2. voilà. Donc je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Je comprends, mais c'est très mal fait de mélanger de la troisième personne et de la première personne. Ils vous ont voulu innover, mais fallait pas. C'était. On peut se mettre en joue comme ça aussi, on fait des pas sur le côté. Pourquoi il veut pas examiner le mec? Examine, putain. Apparemment, il s'en bat les steaks. Voilà. On peut avancer comme ça. Alors, je crois qu'on a balles illimitées dans le jeu. C'est-à-dire que on va trouver des grosses caisses de munitions, c'est qu'on va pouvoir faire le plein, si je me rappelle bien. Donc ça rappelle vraiment les Gun Survivor où c'est qu'on avait munitions illimitées. Donc comme j'ai dit, ça reste bien Gun Survivor. Ça rappelle des zombies tout ça, hein. Alors après, en tout cas. Menu, donc comme d'habitude, nous avons le pistolet. T'es sérieux, on peut même pas examiner? Non. Non. Weapon fully loaded, ouais, ok. Des 9 mm et un spray. Après, on a l'équipement à droite, le statut. Donc, quand il y a écrit Bruce McGivern, c'est le mec qu'on incarne. En gros, ça veut dire qu'à un moment, on va incarner la femme, évidemment. Hein. Spoiler alerte, attention, évidemment. On a le manuel, mais on s'en tape. Et on a les options. On n'a pas de. Je sais pas ce que ça veut dire, movie caption. C'est peut-être les sous-titres, mais je suis pas sûr. Mais je vois pas pourquoi il l'aurait appelé comme ça, en fait. Enfin voilà, il n'y a rien de très spécial. Et après, select. C'est vrai que ça fait rien. Peut-être pour changer d'arme plus tard. On verra ça. Keylock, ok. Par contre, ça me perturbe qu'il n'y ait pas de demi-tour, quoi. Ça me perturbe vraiment. Donc on est dans un bateau. Ça rappelle un peu des jeux plus récents, des Resident Evil plus récents, genre par exemple Révélation 1, qui était très bon. Donc, dans un sens, c'est pas nouveau, hein, les révélations, genre quand ça se passait dans un bateau, tout ça. L'ambiance du bateau est bien. En fait, je crois que quand ces jeux ont sorti, ils ont voulu copier des. Attendez, il y a une porte là-bas. Ils ont voulu copier des films. Comme je crois que c'était Deep Blue, je crois que c'est sous l'eau. Mais vous voyez des films un peu de entre 95 et 2000,
genre un peu action, horreur, où c'est qu'il y a des fantômes ou alors des monstres dans un paquebot. En gros, ils ont voulu, je pense, plus ou moins copier ça. Par contre, ça, c'est la caméra, elle se met automatiquement. Regardez, ça, c'est un peu étrange. C'est que la caméra va se placer des fois automatiquement. Là, je vais passer la porte. Putain, déjà, elle bouge automatiquement. Je vais passer la porte et je vais pas la toucher. Regardez ce qu'elle fait. C'est très bizarre. Et là, elle le fait pas, saloperie. Si j'avance. Bon, je sais pas, je comprends vraiment pas. Ben voilà, là, elle s'est mise sur la gauche, je sais pas pourquoi. On dirait qu'elle essaye d'éviter les murs, mais pas exactement. C'est très très étrange. En tout cas, on va avancer parce que. It's locked. J'ai pas de carte, ça c'est fermé, là c'est d'où on vient. On va aller là, il y a des traces de sang. Non, c'est là d'où on vient. Désolé, je parle beaucoup parce que franchement, je vais être beaucoup plus intéressant que le jeu. Putain, je peux pas passer à cause de ce connard de zombie. Oh, bonjour. On peut pas examiner rien. On peut lui tirer dessus. On peut ah oui, ça aussi, on peut pas monter la caméra, vous voyez, on peut pas descendre ou monter. Ce qui est marrant, c'est que le curseur devient rouge. Alors qu'elle est. Elle est pas. Enfin, elle est pas réanimée en gros. Alors après, le problème, c'est que tout se ressemble dans ce paquebot. On va dire que Resident Evil Révélation, qui se passait aussi dans un paquebot, était beaucoup mieux parce que. Enfin, il est plus récent, je sais. Mais le truc. C'est que là. Ah bah tiens, là le zombie est tombé. Là en fait, c'est des copies de couloirs. Vous voyez, c'est exactement le même couloir dans lequel on a commencé. Et c'est tout le temps comme ça en fait. Donc c'est très très labyrinthesque du coup. Allez, où cette conne? C'est parti. On a les petits. Putain, mais combien de balles il te faut, toi? On a les alertes sur les côtés quand on est en première personne, comme dans les Gun Survivor classiques, quoi. Mais ça rend le jeu en fait très difficile, hein, cette façon de jouer, hein. Ça rend le jeu très très difficile. Ça aurait pu être un très bon jeu s'il. Oh putain. Si. Merde. S'il aurait été comme Resident Evil 4, par exemple. Il est mort ou pas, ce con? Apparemment, il est mort. Le curseur est abominable. À la manette, c'est abominable, hein, je dois dire. À la manette, c'est horrible d'y jouer. Hein. Après, on a vu. On lui tire dans la tête explose, mais la tête reste. On a vu pourtant que ça a explosé quand même. Mais elle est toujours accrochée. Ça, c'est la censure, je crois. Parce que quand les censures ont commencé à sortir dans les jeux, on avait moins de décapitations, des trucs comme ça. J'ai remarqué ça dans les Resident Evil aussi. Enfin, c'est rien que des détails. Et vous voyez, les décors sont super vides. C'est pas beau, quoi. C'est super vide. C'est une PlayStation 2, hein, pourtant.
Dans la première saison des Jeux du passé, nous avons fait Extermination, qui avait... Putain, avec cette caméra qui tourne automatiquement, c'est gavant. Nous avons fait Extermination, qui était un des premiers jeux de la PlayStation 2. C'était un des premiers jeux de lancement. Et les décors étaient beaucoup mieux, c'était beaucoup plus plein. Il y avait des effets, genre du feu, de l'eau, enfin voilà, il y avait beaucoup de choses. Alors que lui, il est très 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 vide. Les escaliers, ça les monte automatiquement. Faudrait que je regarde la map. Tu vas pas me dire que je suis revenu en arrière, par contre. Putain, la map de merde. Ah, ça y est, je me suis dit, on peut pas. Ok, on va aller en face. Il y a quoi là? C'est là d'où je viens, on est d'accord. Ouh, le long temps de chargement. Ah, ça va. Après, le jeu est plus drôle avec le gun, évidemment. Ça, c'est. Il n'y a même pas besoin de le dire. Mais ça reste quand même un jeu médiocre. Après, médiocre, ça veut pas dire que c'est de la merde, mais ça veut pas dire que c'est un bon jeu. Ouais, select, c'est pour la carte. C'est un jeu passable, quoi. Mais comme j'ai dit, c'est un mauvais Resident Evil. Guest qui carne. Vous voyez, des fois, vous mettez une balle dans la tête, ça passe. Ça fait un coup critique, des fois, non. Après, vu que les zombies ont... ont pas beaucoup de mouvements, c'est-à-dire d'animations différentes. Ça rend les headshots assez faciles à la manette de temps en temps, parce que vous... Ça me fait chier, parce que vous voyez ce qui vient de se passer là. Ça, c'est fait exprès, c'est que si vous touchez la tête, ça va faire un coup critique, et ça va éclabousser le mur, et le mec, il va tomber contre le mur, comme ça, je pense. Je pense que c'est fait exprès. Simplement pour faire style, waouh, c'est trop classe, il y a interaction avec les décors et tout ça. Je crois. Hein. Et ça, je trouve ça vraiment dégueulasse de faire des trucs comme ça. Enfin bref, je parlais du fait que les zombies ont toujours les mêmes animations, donc par exemple, si vous laissez le curseur là, vous allez toujours toucher la tête, quoi. Et là, on a que des zombies. On a que des zombies. Imaginez-vous que. Dans ce jeu-là, il y a des hunters. Donc, vous voyez la rapidité d'un hunter. Regardez-moi ça. Depuis quand les zombies gardent des portes comme ça? Bouge pas. Depuis quand les zombies gardent des portes? Quand ils clignotent rouge, ça veut dire qu'ils nous ont repérés. Évidemment, elles non. Voilà. Ceux qui sont plus proches de moi, par exemple, les coups critiques, ça marche pas.